Dis-moi, Flora, malgré toutes mes connaissances, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Herc nous a déposés ici. Nous étions pourtant dans la trajectoire du signal d'Audrey. Je pense qu'il y a une question d'argent là-dessous. Jace, va le chercher! Drôle de trace, il a dû marcher en zigzag! Oh, qui sait? Il a peut-être un peu trop bu. Herc, qu'est-ce qui t'a pris? Ça nous fait tout drôle de nous réveiller sur cette saloperie de planète. 20 degrés au nord, 30 degrés à l'est. Tu aurais mieux fait de rester en contact avec le signal d'Audric, mon père. Tu ne te sens pas bien? Dis donc, c'est pas drôle tous les jours la vie avec vous. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Fais attention, cette carte a au moins 2000 ans. Et il y a un trésor caché? Doucement, fiston, y a pas le feu. On est tout de même pas aux pièces. Les monstres aux plantes! Vite, allons-nous-en! Quand vous voudrez, maître! Jace et l'équipe au grand complet. Attrapez-les! Formation anti-triangle, chargée! Dépêchez-vous, maître, ils vont nous rattraper. Pourquoi fait-on demi-tour, maître? Je crois que j'ai une idée. Regarde-moi ça. Mettez la gomme! Tu peux essayer de t'enfuir, Jace. On se reverra à foi de discord. Ne me regardez pas comme ça. En tout cas, si ça vous intéresse, voici la carte qui mène tout droit au trésor caché de Zormadou. Eh oui, je l'ai gagné au poker sur Alter 7. Tu parles, ça ferait plutôt un bel avion en papier. Hé là, touche pas, petite tête. Maître, dehors. Oh, tu as vu ce que je vois? D'accord, vraiment pas mon jour. Enfin, avec un petit changement de cap. Qu'est-ce que c'est? Oh, toute une galaxie. Elle est occupée par les monstres aux plantes. J'espère qu'elle est inhabitée. Il n'y a plus personne depuis des siècles, heureusement. Le signal de mon père venait bien de quelque part, de l'autre côté. On peut passer au travers? La propulsion hyperspatiale a été inventée pour ça, fiston. Bon, les dispositifs de sauvetage sont OK, les propulseurs de fusée sont OK, mais tout le reste est en panne, y compris l'hyperspatiale. Combien de temps pour réparer?
Oh là là, un bon mois. Et encore, dans le meilleur des cas. C'est beaucoup trop long. C'est fascinant. Les racines ont tellement rapproché les planètes de la galaxie les unes des autres qu'on est à deux doigts du trou noir. Non, mais il faudrait peut-être augmenter la masse. Un trou noir? Oh là là, il faut dégager le secteur, et vite! Attends. De combien on augmente, Gillian? Attends, je vais vérifier sur l'écran principal. Disons qu'une planète moyenne ferait l'affaire. Alors allons-y. Oh, oh, fiston, faudrait pas faire joujou avec les trous noirs, hein? Même si c'est pour écarter une galaxie du chemin. On fera d'une pierre deux coups en détruisant en même temps les monstres au plan. Gillian, tu m'as toujours dit que les planètes étaient les fleurs de l'espace. Est-il bien raisonnable d'en détruire une? Mais il s'agit d'une planète morte, mon enfant. Tout à fait morte et nous avons assez de vieilles fusées pour la réduire à néant. Jace, j'ai l'impression qu'il y a une présence vivante. Tu en es sûr, Flora? Urk, le détecteur de vie est-il réparé? Ouais, vous voulez pas m'oublier 5 minutes? C'est moi qui fais tout ici, hein? Es-tu bien sûr de ce que tu dis, Flora? Nous n'avions rien remarqué jusqu'à présent. Non, écoute, je crois que j'ai dû me tromper. Je commence peut-être à voir des mirages. Il s'agit sûrement de vieux végétaux desséchés. Je vais préparer la mise à feu des fusées. Et quand tu auras fini, nous aurons intérêt à nous éloigner rapidement. Reste à relier ce cordon et je crois que tout sera prêt. Urk, prêt pour le décollage? Urk, le corsaire de l'espace, ne s'attarde pas auprès des trous. C'est parti! Fâché d'aller voir ailleurs. Que les racines vont nous être utiles. Nous disposons de 3 heures pour sortir de la masse critique. Regardez, je n'ai pas rêvé. Il y a bien une matière vivante là-dessous. Urk, peut-on enfin se servir du détecteur de vie? Ça ne sert plus à grand-chose, enfin. Il fonctionne, c'est sûr. Bonté divine, une vie humaine, il y a quelqu'un sur cette planète abandonnée, en paix à son âme. Nous allons faire demi-tour. Oh là, pas question, fiston, à force de trop tirer sur la ficelle, elle casse. Maître, les trous noirs sont les pièges les plus dangereux de l'espace. Mais nous avons 3 heures pour sauver un innocent, c'est tout à fait possible. 2h50, il est trop tard. Il faut faire quelque chose. Écoutez, je me mets volontiers à la place du pauvre type qui se trouve dans cette galère. Le trésor caché de Zornadou. Il a été enterré sur cette planète. 9 minutes pour se poser, 6 minutes pour retrouver Monsieur X, 7 minutes pour creuser. Jess, c'est au-dessous de nous que ça se passe. Je ne vois personne. Ils sont sous le sol. C'est pour ça qu'on ne les avait pas repérés avant. Oh, sur la carte, le trésor est indiqué au même endroit. Vous avez de la chance. Les monstres aux plantes, ils nous ont vus. Bon, vas-y, Urk, fonce. Allons-y. Je vais plonger droit sur eux. Ouh là là, ouh, l'accélérateur d'atterrissage a déglingué. Eh bien, Jess, on se retrouve beaucoup plus tôt que je ne le pensais. Et cette fois, vous ne m'échapperez pas. Mon
sentirait plus en sécurité avec Forcer. Vrier aussi est un grand combattant. Dès qu'il nous aura débarrassé de ses guignols, il nous sera très utile pour creuser. Tu avais moins d'énergie pour défendre le sort de l'univers. Écoute, fiston, chacun sa croisade, moi j'ai la mienne. Tout va bien. On a gagné, maître. Les voilà qui s'enfuient. Formidable. Trigulaire, dépistère, défendez le vaisseau contre toute agression. Mode de défense G. 15 degrés à l'est. Rappelle-toi, si nous ne sommes pas de retour dans une heure, tu pars et tu essayes de retrouver mon père. Mais tu reviendras, Jace. Tu reviendras. Oh, Gillian, il ferait mieux de rester ensemble plutôt que d'aller dans des directions différentes. Tu as raison, je commence à devenir très distrait. Bon, alors, 30 degrés plein nord. Oh ! J'ai dû lire à l'envers. Voilà, c'est mieux. 30 plein sud. On est bien d'accord, fiston. L'humain, c'est pour toi. Le trésor, c'est pour moi. Il reste encore 1h25 minutes avant la masse critique. J'espère qu'ils reviendront à temps. Mais bien sûr, Flora, ne crains rien. Gillian! Formidable! Voici l'occasion rêvée pour essayer ma nouvelle armure blindée. Je crois que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses, Flora? Il se croit peut-être à l'abri dans le vaisseau, n'est-ce pas? Écoute-moi tous. Faites exactement ce que je vous dis. Oh, mon Dieu! Mais que se passe-t-il encore? Ça devait être une civilisation très avancée. Une civilisation richissime. Cette fois, je crois que j'ai gagné le gros lot. Mais ça ne correspond plus du tout à la carte. Eh bien, j'ai encore 58 minutes pour retrouver l'emplacement. Chaleur étouffante ici. Dis-moi, Gillian, on ne peut rien y faire. Régulaire et dépistère fonctionnent très mal sous la grosse chaleur. Et viens, Flora, regagnons l'endroit où est garé l'engin. Je crois que j'ai une idée. Il y a quelqu'un? Il nous reste une demi-heure pour sortir de cette planète. Ah, pour l'amour du ciel, revenez vite, il est grand temps de partir. Oui. Il y a quelqu'un? Mon père me l'avait bien dit, les voleurs de concessions te poursuivront jusqu'au Gap. Je m'appelle Joyeux Chercheur. Ça fait 20 ans que je prospecte cette foutue concession. Allez, descendons. Doucement, doucement. Dans moins d'une demi-heure, cette planète va disparaître dans un trou noir. Faut sortir de là. Ah, voilà bien le genre d'histoire à dormir debout que racontent les voleurs de concessions. Rejoignons les véhicules. Vous aussi. Pas la peine de crier, mon garçon, j'ai compris. Des voleurs de concessions, voilà ce que vous êtes, sacrebleu. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Les piliers soutiennent le plafond.
Il doit y avoir des tonnes de rochers au-dessus de nous. Reculez! Il faut attirer les monstres aux plantes vers le centre! C'est notre seul espoir! On y va! Dépêche-toi! Je t'en prie! Ouf! Ça va mieux, Gillian! Je commençais à me prendre pour un chou-fleur cuit à la vapeur, moi! Ah, ça n'est pas encore assez fort! Il ne reste pas beaucoup de temps avant la masse critique. Mais où sont-ils passés? Cette fois, ils sont pris au piège, à l'attaque! Allez, fiston, c'est le moment de remonter. Allons, maître, vite, dépêchez-vous. Maître, regardez, là, derrière vous. Laisse tomber, Joyce. La situation est désespérée. Tu es vraiment trop lamentable. Allez, rends-toi. Tenez bon, ne reculez pas d'un pouce. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est mon trésor. Ah non, c'est le mien. Incroyable. Il y avait vraiment un... Urk! Non! On réglera ça plus tard, vieux Forban. Bon, allons-y. Sacrebleu! Oh, ma pauvre petite, j'ai bien l'impression que le temps va nous manquer. Non, il faut commencer par sauver la racine, même si j'espérais autre chose. Attends, Gillian, les voilà! Ils reviennent! Très bien, je vais le faire. Je ne peux pas le croire. J'abandonne le trésor caché du Zornadou. Ce n'est pas le trésor de Zornadou, imbécile! C'est celui de Kublaki! Désolé, j'ai une carte qui le prouve. C'est Gillian qui l'a dessinée, ta carte. Toutes mes excuses. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Oh, quand même, quelle coïncidence intéressante. C'est génial de constater qu'il y avait vraiment eu un trésor. Ah. Enfin, si on veut. Et dites, monsieur, comment avez-vous fait pour vivre pendant 20 ans sur cette planète qui est morte? Eh bien, j'ai été lâché par un vaisseau, petite. À peu près tous les 5 ans, il revient m'apporter des provisions. Vous pourrez me déposer sur la prochaine planète inhabitée. Si nous en croisons une, car nous n'avons guère le temps de traîner. Comme tu veux, jeune homme. J'ai un bon répertoire de chansons, ça nous aidera à passer le temps. Hey, je suis le chercheur solitaire, le meilleur chercheur d'or de l'espace, mais ma planète préférée, c'est chez moi. Urk, trouve-moi d'urgence la prochaine planète inhabitée.